suis venue pour rejoindre mon mari, qui est suisse de la région. On s'est mariés et pour lui rejoindre, donc je me suis trouvée à Genève. J'ai une formation universitaire en administration publique, niveau master. Je laissais tout derrière à Saint-Pétersbourg, ma famille, mon travail, mes amis, toute ma vie est restée là-bas. Mais quand même, j'ai pris cette décision. Je suis maintenant ici à Genève. Maintenant, après une année que je suis ici, je me sens beaucoup mieux. Quand même, au début, c'était assez difficile de se trouver dans un pays différent, avec culture différente, des mentalités différentes. Mais peu à peu, on s'habitue. Maintenant, je commence à avoir des amis, des connaissances, par mon mari et aussi par mes activités que je fais ici. Quand je suis arrivée à Genève, j'ai commencé à chercher l'emploi, mais aussi je commençais à chercher comment je peux m'intégrer dans la société. Et ici, j'ai connu qu'il y a beaucoup de différents orchestres et ensembles amateurs. Et moi, je me suis souvenue que quand j'étais petite, en enfance, j'ai fait une école de musique. J'ai fait 7 ans du violon. Après, j'ai abandonné. Mais quand je suis venue ici, quand j'ai compris qu'ici c'est très populaire, et même demandé, les musiciens amateurs, j'ai pensé pourquoi pas reprendre le violon pour sortir de la maison, pour connaître les gens, pour m'intégrer dans la vie sociale et la vie musicale de Genève. Quand on change complètement le milieu social, ses conditions de vie, c'est nécessaire qu'on trouve des ressources, ses capacités peut-être oubliées ou capacités cachées pour mieux adapter et intégrer dans la nouvelle situation.